Pour dire que le titre ou ce qui nous réunit aujourd'hui ici, la langue la plus intelligente du monde, a un lien certain avec ces événements de Léopoldville en 1921 avec le prophète Simon Kimbangu et également le 4 janvier avec l'apparition de cette armée surnaturelle qui était en fait l'armée de Christ. Alors, je suis de culture congolaise, de par le fait que je suis né donc à Kinshasa, mais mes parents étaient ou sont d'origine angolaise. Je suis originaire de Mbanza Congo, qui, comme vous le savez, a été inscrit au patrimoine culturel de l'humanité il y a deux ans. Et je me flatte d'avoir contribué à une modeste mesure à ce que Mbanza Congo puisse être reconnu patrimoine culturel de l'humanité. Ce qui a un lien aussi avec le sujet qui nous rassemble ici aujourd'hui. Donc je suis arrière-petit-fils de l'un des derniers rois de Congo, Diantotela, qui s'appelait Henrique Teyekenge. Pour ceux qui connaissent Mbanza Congo, San Salvador du Congo, il y a ce qu'on appelle le Kulumbimbi, là où reposent les 7 derniers rois de Congo, et parmi les tombeaux, qui sont anonymes, il y a donc mon ancêtre, mon vénérable ancêtre, Henrique Teyekenge. Alors, pour dire que je suis vraiment... J'ai les deux pieds dans la... dans l'histoire de ce royaume de Congo Diantotela. Au cours de mes études secondaires à l'Athénée de la Gombe, à l'Athénée de Kalina, j'ai suivi la filière littéraire, ce qui explique peut-être les livres que je suis en mesure d'écrire aujourd'hui. Et je me souviens que lors de déjà la première leçon de latin que nous avions eue de notre professeur flamand de l'époque, je crois qu'il s'appelait Siemens ou un truc de ce genre, la première phrase que nous ayons apprise du latin m'avait interpellé. C'était « Lingua latina ardua est ». Je ne sais pas pourquoi, en entendant « lingua », ça sonnait au plus tréfond de moi-même en me disant « mais lingua, ndinga, langue, c'est pratiquement la même chose ». Alors, si le latin avait été une langue encore vivante, je me serais dit « bon, c'est certainement que nous avons puisé ndinga du latin ». Mais étant donné que le latin était une langue morte et depuis, tout en étant resté la langue liturgique de l'Église catholique, je me suis dit « tiens ». Comment est-ce que mes ancêtres à moi disent ndinga, qu'on retrouve d'ailleurs dans bien des expressions, aussi bien en latin que dans les langues telles que l'espagnol, le portugais, l'italien, quand on dit diga, diga, mais dites-moi, c'est ndinga. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure que nous apprenions le latin, beaucoup d'autres mots venaient m'interpeller en me disant, mais il y a là-dedans un mystère. Comment se fait-il que mes ancêtres, tout en n'ayant jamais appris le latin, ont pu avoir des mots en fait qui coïncident tellement avec ces mots du latin qu'on retrouve dans les langues modernes telles que le français, l'anglais, l'allemand même. Et c'est à partir de là qu'est venue peut-être la vocation d'aller creuser et de vouloir connaître une vérité qui forcément dérange. Car comme vous le savez, le latin est la langue la plus prestigieuse de la culture européenne, de la culture judéo-chrétienne. Et dire, comme je le fais dans ce livre, qu'il y a beaucoup de racines du latin, en fait, qui sont des racines bantoues, c'est soulever le couvercle d'une marmite qui n'a pas fini de déranger. Alors, ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est ce livre-là.